en train de complètement changer son image. Toute son équipe de communication travaille son image avec elle, puisque jusqu'à présent, elle avait une image de rigueur qui était due à son passé de juge, qui était due aussi à ses petits coups de gueule, avec cette éthique, avec un chemin droit et on ne faisait aucun virage, aucun arrêt. Ça lui a joué des tours, puisqu'à un moment donné, elle s'est même reculée par rapport à son propre parti quand il y a eu des négociations avec le Parti Socialiste. Elle s'était complètement mise en retrait, pourtant elle représente son parti, Europe Écologie. Aujourd'hui, on adoucit son image pour montrer que ça peut être une personne qui a des idées, qui combat des convictions, mais qui peut aussi être dans la négociation, puisque c'est aussi comme ça qu'on avance en termes de politique, c'est qu'il faut savoir négocier les choses pour mieux avancer sur le terrain de prédilection. En fait, Eva Joly, c'est vrai que pendant un moment, on l'a connue au travers de ses lunettes rouges. Aujourd'hui, elle essaie de les enlever et les faire oublier tout doucement parce que ça a été trop loin. C'est-à-dire que ses lunettes ont été associées à Eva Joly. L'un n'allait pas sans l'autre. Et l'idée, c'est pas qu'on associe Eva Joly à des lunettes rouges, c'est qu'on associe à ses idées et à ses convictions qu'elle essaie de faire passer. Donc, en ayant pris conscience de ça, ça ne peut qu'améliorer les choses puisque tout doucement, elle va les faire oublier pour remettre en avant ses idées et pas son look. Donc on voit qu'aujourd'hui, elle a une coupe de cheveux qui est beaucoup plus souple, elle commence à se maquiller un peu plus, elle enlève pratiquement ses lunettes à chaque fois qu'elle parle du journaliste, les lunettes rouges sont en train de disparaître et elle utilise des couleurs beaucoup plus douces près du visage. On veut lui donner une image beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine que ce qu'elle a eu jusqu'à présent. J'ai pas de conseil particulier à donner à Eva Joly puisque justement elle a su se ressaisir au bon moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est en train d'adoucir son image et c'est juste ce qu'il fallait pour que ses idées soient entendues.